Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo, il y aura deux parties de... Je montre des cadeaux qui viennent tout droit de Singapour. Donc voilà, là c'est la partie 1. On commence tout de suite avec... Donc c'est une voiture mini, toute normale, je vais vous montrer en plus en détail. Donc avec des sièges, voilà, il y a son nœud, sa robe, sa petite queue, il y a un cœur pour les phares. Il y a quoi d'autre? Il y a les oreilles. Les oreilles, c'est pour les rétroviseurs. Et Mickey dessus, un petit tsum tsum. Donc je vois pas trop m'attarder puisque en fait j'ai pas trop de... j'ai plus de stockage et tout, donc c'est compliqué, donc je me dépêche, donc voilà. On passe tout de suite avec. C'est avec une voiture belle, donc avec la bête dessus sur son toit. Donc c'est un peu comme... c'est la même voiture, un peu comme celle de Mimi. Mais voilà, c'est tout simple en fait, elle est tout simple. Celle-là. Donc voilà, c'est belle, il y a la bête dessus comme je vous l'ai déjà dit encore. Et voilà, les phares sont normaux. Voilà. Donc on passe tout de suite avec ce Mickey. Donc je sais pas si vous connaissez, je m'en souviens plus trop comment ça s'appelle. Donc je vais vous montrer comment ça marche en fait. Ça fait ce bruit. Donc le jouet suivant, c'est une carte Pokémon, donc c'est une ancienne, mais enfin, il y a 80 PV. Enfin, je sais plus comment c'est en français, mais vous pouvez me dire comment il s'appelle en français. Ouais, dire en commentaire, n'hésitez pas. Voilà. Donc, son évolution. Et la plus grosse chose de toute cette vidéo, c'est ce sac à dos. Regardez, c'est Dr Super Girl, donc voilà, c'est... j'ai eu ce sac à dos, enfin il est trop bien, même si je l'ai pas essayé, enfin il est réglable et tout. Voilà, il y a des poches ici pour mettre une bouteille d'eau, enfin elles sont profondes en fait. Voilà, elles sont assez profondes. Il y en a une autre encore plus profonde justement. Voilà. Je sais pas. Voilà, un peu comme ça. Il y a la fermeture, la fermeture d'une poche, c'est avec une étoile. Enfin, je vais vous montrer. Attendez, je vais me faire un peu. Voilà, là il y a une grande... ça c'est une poche en fait. Et je vais vous l'ouvrir. Donc là, c'est tout profond. Enfin, il y a des étoiles, une chauve-souris. Enfin bref, c'est hyper profond. Je sais pas si je vous mets dedans parce que ça serait drôle. Voilà, vous voyez à peu près comment c'est. Et donc comme je vous l'ai dit, la fermeture, c'est une étoile. Qui est trop mignonne. Enfin, la poignée, on dirait qu'il n'y a pas de poignée, mais c'est celle-là en fait. Il y a les mains. Là, on peut mettre un autre... notre prénom, notre nom de famille, notre classe, notre école et notre adresse et notre numéro de téléphone. Voilà. Donc, mais si on peut prendre ça comme un sac d'école, hein, oui, comme ils l'ont fait. Mais moi je vais prendre ça pour les sorties comme aussi pour les voyages et tout ça. Donc je vais ouvrir cette poche. Donc en fait il y a plein de poches, c'est hyper bien, mais voilà. Ça c'est la plus grande en fait. Voilà, c'est la plus grande. Désolée, je dis beaucoup voilà, mais c'est un mot que j'utilise beaucoup. Il y a encore une poche ici qui est un peu plus serrée. On peut mettre des écrans, je ne sais pas comment vous voulez. Et c'est tout pour... Donc
c'est tout pour ce sac à dos, j'espère. Enfin, je l'aime trop, moi, je l'aime trop personnellement. Et il me servira beaucoup parce qu'il est hyper grand et que l'autre, lui, enfin, l'autre que j'avais, il avait plein de trous. Enfin, je sais pas si c'était des mythes ou quelque chose d'autre, mais bon, voilà. Donc, je vais le ranger. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour la partie 2. Bye!